Salut tout le monde, c'est Vanrak et on se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode de Uncharted 4. Beaucoup d'ex... enfin, un petit peu d'exploration la dernière fois, on a avancé et on est arrivé devant cette porte. Et comme je vous l'avais promis, nous allons l'ouvrir tout de suite pour savoir ce qui se cache derrière. Va-t-on trouver un trésor? Va-t-on trouver quelque chose que tu vas nous envoyer ailleurs encore une fois? Mystère, mystère, allez, découvrons ça tout de suite. C'est parti. C'est vide. Évidemment. Tu crois que c'est Rafe? Non. Ça fait des siècles que personne n'a mis les pieds ici. Ok. Bon. On cherche des indices? Ouais, on cherche des indices. Ouais. Chapitre 15, les voleurs de Libertalia. Vous seriez arrivés les premiers, ça aurait été vous les voleurs de Libertalia. Faut pas leur en vouloir. Les autres n'ont fait qu'arriver les premiers, c'est tout. Voleur. C'était des pirates, alors forcément c'était des voleurs. Je sais pas si on peut leur reprocher ça maintenant. Un peu con con. Rien. Il se relèvera pas. Ah. J'ai trouvé quelque chose. Incroyable que cette lettre soit encore intacte. Rangée G, étagère B, contenu selon l'inventaire. Image tag incrustée, le fondateur 1. C'est juste un répertoriation. Ouais, ça doit être ça. Je dois l'avoir bien dit. Ouais, répertoriation. C'est juste un inventaire de, des objets, quoi. C'est plus simple. Pourquoi je me complique tout le temps la tâche? Va savoir. Sous le sel, j'ai du mal à parler au bout d'un certain temps. Ah, des vêtements sophistiqués. Sans que d'uniforme. T'étais un garde ici, non? Beau travail. En même temps, si j'étais tout seul. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bonne question. Et si... Peut-être qu'il reste rien du trésor. Imagine, ils dépensent tout dans les sols en marbre. Et quand les colons découvrent que leur argent a disparu, ils pètent les plombs. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. On va savoir. Vieux manifeste. Plein de trésors. Mais pas pour nous. C'est pas un trésor pour nous. Bon, ben, il reste plus grand chose, hein, mon gars. Dommage. Nathan? Et Nathan, regarde ça. T'as quelque chose? J'ai trouvé une pièce. Waouh. T'as vu, c'est le sceau d'Avry. Il a dû faire fondre l'or et frapper sa propre monnaie. On a donc une pièce
et des étagères pleines de manifestes. Le trésor était là. Ouais. Mais ça nous dit toujours pas où il est maintenant. Ok. Alors on sait que dehors ça s'est bagarré sec. Et à l'intérieur aussi. Tu penses que les colons l'ont volé ? Non. Je crois qu'ils voulaient récupérer ce qui leur appartenait. Regarde. Là, c'est Avery, Hugh et tous les fondateurs. Tous sont désignés comme voleurs. Pas assassins, pas tyrans. Voleurs. Alors, quand les colons ont fini par débarquer là, le trésor était déjà loin. Tout juste, parce que ces gars-là s'en étaient déjà emparés. C'était loin d'être des enfants de cœur. C'était loin d'être des enfants de cœur. Je sais où ils l'ont emmené. Quoi ? Où ? C'est une carte ? Ouais, juste là. C'est notre trésor. C'est une carte de Libertalia ? Et si tu la suis jusqu'à l'autre côté de l'île, juste là. New Devon. Attends, Avery était du Devon en Angleterre ? Exactement. Est-ce que t'as vu la taille de ces baraques ? C'est impressionnant. Et chacune d'entre elles porte son propre sceau. Oui, parce que c'est là qu'il vivait. La prochaine étape, c'est de grimper en haut de cette tour. Qu'on sache où on est. New Devon, nous voilà. Pourquoi faut toujours grimper. Bon, comment on monte là-haut ? Bonne question. C'est ce que je me demandais aussi. Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Non. Ou alors j'ai vraiment mal visé. Mais j'ai l'impression qu'il s'est décalé. Ok. Ok, t'es prêt? Oh, ça c'était l'étape 1. Soulevez le chandelier. Bonne idée. Je prends pas de l'air trop. Accepte juste le compliment. Merci. Ouais, bah j'étais bien en bon endroit tout à l'heure. On a beaucoup plus la classe. On monte là-haut. Alors, hop, pour aller là-bas, ça fait un peu court. Et si tu t'attaches à la chaîne, par hasard. Non, Tarzan, c'était l'épisode précédent. Ah, c'est vrai qu'il y a de monter jusqu'en haut de la tour. Allez, on monte. J'arrive pas à croire que ces escaliers soient intacts. Parle pas de malheur. Ouais, s'il te plaît. Oups, je parlais trop. Qu'est-ce que j'avais dit ? Génial ? Bien sûr ! Pourquoi ça me montrait le... l'anneau ?
vérifier que t'étais pas écrasé comme une grosse merde. Ah. Regarde-moi ça. Et voilà tout excité. Je te fais monter ? Avec grand plaisir. Eh bah bouge-toi. Allez, prêt ? Je suis prêt. Ok. À toi. J'ai trouvé quelque chose ? Attends, bouge pas. Ah bah heureusement que j'ai bougé. Il m'aurait envoyé sous la tête sinon. N'importe quoi. Bon. Je vois rien qui clignote. Ouais, j'ai loupé. Je ne sais pas. Peut-être loupé. La vue est imprenable, hein. Waouh, ouais. C'est juste là. Waouh. Cette rivière. Allez, ne traînons pas là. On va voler les riches. Hein. Hey, y a un chemin qui descend par là. Si on veut, allez. Alors, tu crois qu'on en a pour combien de temps à aller à New Devon? Quelques heures. Tout dépend sur qui ou quoi on va tomber. Ouais, voilà. Mmh. Mais il veut aller nulle part là, il m'emmerde. Facile à dire qu'à faire. Oh, voilà. T'es où? Rejoins-moi. Quelque chose me dit qu'ils ont eu leur pente avec nous. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Là-dessous, vite! Réfléchis pas, vas-y! Oh! Ouais. Nathan! Nathan! Relève-toi, faut qu'on se tire! Allez, grouille-toi! Grouille! Tout des dieux! Allez! Hey! Hey! Ils sont pas ici! Bon, je suis censé aller par où, moi, là? D'accord. Par là, mais je serai mort avant. Voilà. Bah, j'ai voulu en buter un ou deux, puis voilà, quoi. Histoire qu'il me fasse moins chier, mais en fait... Allez! Qu'est-ce qui me fait la monte? Merde. What? J'ai même pas eu le temps d'atteindre la porte le premier coup, tu sais. Ok. Putain. Oh chier.
Oh là là là. Mais bon sang, c'est pas possible. C'est un peu plus calme là. Profites-en. Profites-en, profites-en. Wow, ça va, oui. Salut Nadine, quel plaisir de te revoir. Aïe, ok, ok, pastèque. À quoi est-ce que tu joues là? C'est mon signal de détresse. Faut toujours que tu fasses le malin. C'est plus fort que moi. C'est ça. Ton frère et toi, vous êtes sans doute les chasseurs de trésors les plus compétents de cette île. Quel dommage qu'on soit adversaire. Et pourquoi on ferait pas équipe? Avec un Drake? Non merci, j'ai déjà donné. Attends, tu vas pas qu'on en... Bon, je pensais pas que ce serait aussi violent. Je vais bien trouver le chemin. Après tout ce que j'ai fait, tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Je crois que ce serait une bonne idée, ouais. Oh, allez, Nadine, tu plaisantes, là. On sait que t'es une dure à cuire et tout, mais... on est quand même deux, là. Je te signale que mes hommes sont déjà en chemin. Tout ce que j'ai à faire, c'est gagner du temps. À moins que j'arrive à vous finir toute seule. C'est pas vrai. J'en ai ras le bol de cette île. Ras le bol de ton frère. Mais t'as fini, sale garce. Ça fait mal. Pétasse. Pardon. C'est sorti tout seul. Ah là, contre les balles, tu vas pas faire grand chose. À ce point-là. Non. Laisse tomber Sam. Faut qu'on fiche le camp avant qu'il nous tombe. Oh merde. Oh, du calme, du calme. On respire un bon coup. Comme c'est intéressant. Nate, Samuel, posez vos armes, tout de suite. Non. Rafe, pourquoi le contrarier? Vous en faites pas, Nadine, il vous fera aucun mal. Ces gars-là sont pas des meurtriers, ils sont pas taillés pour. Et t'es prêt à parier sa vie là-dessus? Je m'en fous. Tu l'as. Sam. Si je meurs, vous mourrez tous les deux. Ça m'est égal. Ne fais pas un pas de plus. Tu veux dire... comme ça? Sam, arrête ça tout de suite. Je t'aurais prévenu. Tu l'as. Ray, c'est fini. Ne tirez pas, ne le tuez pas. Jette ça. C'est fini. Ok? C'est fini. Il vous fera aucun mal, Nadine. C'est pas des meurtriers. J'y peux rien, je l'en croyais pas capable. Samuel.
Tu vas bien? Tu doutais que ce moment arriverait un jour. Hey, pas besoin de faire ça. Tu nous tiens, n'en rajoute pas. T'es un homme d'affaires, alors contentons-nous de passer un marché. Un marché? Oh, tiens. Et qu'est-ce que t'as à me proposer? Continue, je t'écoute. Ok, ok. Alors, ce que tu veux, c'est le trésor d'Avry. On t'aide à le trouver. Et en contrepartie, je vous laisse en vie? C'est ça. Et puis, tu nous donnes une part. Il est vraiment pas possible, ce mec. Juste assez pour pouvoir lui rendre sa liberté. Sa liberté? Nathan. Ouais. Il en a assez bavé, non? Ce type qui l'a fait sortir, Hector Alcazar, il lui doit un paquet de fric. Wow, attends, mais c'est quoi ces conneries, Nate? Hector Alcazar est mort dans une fusillade en Argentine, il y a plus de 6 mois de ça. Et c'est moi qui ai fait sortir Samuel. Quoi? Oh! Waouh! Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Sam, qu'est-ce que t'es allé inventer comme histoire avec Alcazar? Vraiment, t'exagères. T'as osé mentir à ton petit frère. On perd du temps. Ce sera pas long. Pour tout te dire, Nate, j'ai jamais vraiment arrêté de chercher le trésor d'Avry. Mais mes recherches n'ont jamais vraiment abouti, tu vois. Et un jour, j'entends dire que ce bon vieux Samuel Drake, d'une sommité en la matière, est vivant, mais aussi en bonne santé. Il n'y a pas eu de grande évasion. J'ai soudoyé le directeur de la prison et ton frangin est sorti par la grande porte. Ça fait 2 ans qu'il essaie de mettre la main sur la deuxième croix de Saint-Dismas. Et devine quoi? On faisait équipe, lui et moi. Non. Et si? Non, c'est des conneries. Oh. Sam, quelque chose à dire? Nate. Sam, non. Non, me dis pas que c'est vrai. Écoute, le trésor d'Avry nous revient. Je pouvais pas le laisser... J'ai tout laissé tomber pour toi. Attends, Nate, si ça peut te remonter le moral, moi aussi, il m'a doublé. Il m'a poignardé dans le dos en vous ramenant. Toi et le vieux Schnock dans cette équation, et je vais pas te mentir, Sam, ça m'a vraiment... contrarié. Mais tu sais quoi? C'est de l'histoire ancienne. Tu mérites pas ce trésor. Et toi? On est tous les mêmes, des voleurs, non? On essaie de déterrer des vieux trucs. Rafe. Quoi? Il est largement temps d'abréger. Sinon, je m'en charge. Vous avez entendu la dame? S'il te manque un seul indice, tu pourras dire adieu au trésor. Tu l'as dit toi-même, tes recherches n'ont jamais abouti. Pourquoi tu veux pas l'admettre? T'as besoin de nous. T'as raison. Enfin, à moitié. J'ai juste besoin de Sam. Non, attends, tu te trompes, t'as besoin de... C'est pas vrai. Nate! Nate! Ouais. Voilà, c'est là. Je me demande qui peut bien vivre ici. Alors là, aucune idée. Mais en tout cas, c'est la bonne adresse. Ça fait déjà quelques jours que je surveille l'endroit. Y a personne. Et nous y voilà. Waouh. Cet endroit est gigantesque. On commence par où? Ben, on commence par trouver un moyen d'entrer. Après, on fera la visite complète. Allez, chapitre 16, les frères Drake. Est-ce que tu crois qu'il y a une alarme? Il faut qu'on trouve un moyen d'entrer. Mais sans avoir à casser une fenêtre. On verra ça la prochaine fois.
Moi, je vous dis ciao et on se retrouve très vite pour la suite et retrouver Nathan et Sam en étant plus jeunes. Voilà, allez. Moi, je vous dis ciao et à bientôt. Bye bye.